moi. Je suis
Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre présence dans sa maison. Sans tarder, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1er. Nous lisons, commençant verset 40 jusqu'à 42. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. André, frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean. Le premier son frère Simon, et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, qui signifie Pierre. Ajoute encore Jean chapitre 4, verset 24-25. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je suis moi qui te parle. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la tuile de sa parole. Prions le Seigneur. Merveilleux Dieu d'Abraham, nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, pour la grâce que tu nous offres de se retrouver encore une fois de plus, tendre Père éternel, dans ta maison ce soir. Laisse, Père éternel, que tu puisses te mouvoir au milieu de nous et parle-nous au travers de ta parole bénie et précieuse. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de l'auditoire tout entière et que tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ puissent libérer cet endroit et rentre en enfer dans le nom tout-puissant du Seigneur et de la terre Jésus-Christ. Sois la solution à tous les problèmes de tes enfants. Et lorsqu'en sortant d'ici, que nous puissions dire comme ces disciples qui revenaient sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-delà de nous lorsqu'ils nous parlaient en cours du chemin? Soutiens-nous, Seigneur, parle-nous réellement ce soir. Et nous voulons, Dieu de gloire tout-puissant, que notre réunion ait la touche, Dieu de gloire tout-puissant, de l'Esprit. C'est pourquoi, mon Seigneur, mon Dieu, nous nous soumettons à toi, Père, et laisse que tu puisses réellement traiter avec nos âmes ce soir et que tu nous donnes ces contacts intimes avec toi, Père. Sois béni, sois élevé à jamais, tout pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom si béni, glorieux du Seigneur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour la grâce qu'il nous offre d'être dans sa maison. Et nous savons le pourquoi nous venons à l'église. Frère Banam nous dit que nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Et venir à l'église, ce n'est pas un tourisme qu'on est en train de faire. Mais nous venons pour contacter le Dieu qui est réel et vivre aussi les réalités infaillibles du Dieu vivant. Il est celui qui nous aime, il est celui qui a fait de nous des messies dans son royaume. Et il veut que nous puissions régner ensemble avec lui. Comme je vous avais dit le dimanche, que Dieu a toujours utilisé l'homme pour son œuvre. Le Saint-Esprit descend sur des hommes.
l'homme, celui l'instrument de Dieu. Ici, sur la surface de la terre. Apa duniani. Et pour que vous soyez utilisés par Dieu. Na nyu upate kutumiwa na Mungu. Nous avons vu avec vous que vous devez vous abandonner totalement à l'Esprit de Dieu. Tuliona na mwe ya kwamba mnapata kujitolea kabisa kwa ile roho ya Mungu. Quand vous vous abandonnez à cet Esprit, wakati unajitolea kwa ile roho, cela vous aidera à être comme lui, le Seigneur. C'est pourquoi nous devons graviter autour des grands motifs de Dieu. Et nous avons vu avec vous que ces grands motifs, c'est d'être Dieu sur la terre. Et Dieu veut que vous soyez des dieux. Mungu anapenda muwe wa Mungu. Et il a fait de vous Dieu. Na alimifanya nini c'est wa pourquoi Mungu. Accepter la parole du Seigneur. Ni kwa maana kukubali neno ya Mungu. Et vivez la parole. Mukubali neno ya Mungu na muishi neno ya Mungu. Si bien que celle-ci s'exprimera au travers de vous. Hakika mwile kipimo hii neno itaonekana ndani yenu. Comme ce fut le cas avec Paul. Paka vile bilikuwaka na Paulo. Comme ce fut le cas avec Pierre. Paka vile bilikuwaka na Pedro. Comme ce fut le cas avec les autres, les autres saints, les prophètes, les apôtres, et les gens ont vu la gloire de l'Éternel. De la sorte que le Seigneur pouvait se laisser voir comme ça visiblement. Pouvait parler avec ses enfants, pouvait communier avec eux. Pourquoi? Parce que les gens acceptaient sa parole. Et vivez la parole. Et quand vous acceptez la parole dans votre vie, et que vous la vivez, cette parole s'exprimera elle-même au travers de vous. Ce que vous devez savoir, que la parole elle annule la puissance. Et vous ne pouvez pas croire la parole et ne pas voir la gloire de Dieu ou la puissance de Dieu se manifester au travers de votre vie. Amen. Amen. Je suis dans l'exposé de cet état de l'église. Je prends le page 64. Je prends les paragraphes 2-3. Et je vais lire aussi une partie sur la page 65. Donc le Saint prophète dit quelque chose ici de très important. Et même si les érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez surtout pas cela. C'est une affirmation fausse pour des raisons. Premièrement, il est faux de penser que puisque les 12 premiers apôtres sont morts, maintenant il n'y a plus d'apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés, mais on les appelle des missionnaires. Et tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin une fois la rédemption de la Bible terminée. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas même un seul passage de l'écriture qui laisse entendre cela. Mais il y en a beaucoup par contre qui affirment clairement le contraire. Voici la preuve que ces deux opinions sont fausses. Acte 2, 38-39. Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte et pour vous les Juifs, pour vos enfants les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin, les gens des nations, et pour aussi pour un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera, les Juifs et des gens des nations, tant qu'il n'aura pas cessé d'appeler, le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront pas. Donc si Dieu continue à appeler, et la puissance et le message de la Pentecôte ne s'arrêtera pas. Il sait que l'Église avait à la Pentecôte et son droit inaliénable à l'origine. Elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2 et 4. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous à négligent un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cette église originelle n'était pas organisée par des hommes. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Elle était opprimée. Elle était persécutée. Mais elle était fidèle à Dieu. Elle s'en est tenue au modèle originel de la parole. Mais ne vous égarez pas ici. Quand je dis que Dieu ne change jamais et que ses voies ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'église et son messager ne pouvaient pas changer. L'église n'est pas Dieu. Par conséquent, elle peut changer. C'est que je dis, c'est que puisque Dieu est immuable et que ses voies sont immuables, nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu, ce qui nous donnera un étalon pour juger de la suite. Voilà comment procéder. La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. La véritable église aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive du débit. Et le messager aux églises, comme ils en ont eu le même esprit de Dieu, chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Ils ne seront pas exactement semblables à lui, à
Mais le véritable messager seront ceux qui seront le plus proche de Paul. Wajumbe wa kweli watakaribia kabisa Paulo. Qui était libre de tous les hommes. Ule alikuwa huru na watu wote. Entièrement livré à Dieu. Mwenye kujitolea kabisa kwa Mungu. Qui apportait uniquement la parole de Dieu. Mwenye alikuwa anajitolea kabisa kwa Mungu. Et qui manifestait le Saint-Esprit avec puissance. Ule alikuwa anaonekanisha Roho Mtakatifu. Rien d'autre ne fera l'affaire. Hakuna kitu kingine kitafanya mambo. Il faut partir de l'original. Inapaswa kuanzia kuyausaiye. Comme un modèle original. Sabile mfano ya usaiye. Produit des exemplaires conformes. Utoa mifano yenye nafanana. La véritable église ne manquera jamais. Ile kanisa ya kweli haitakosa kamwe. D'être celle qui essaie de suivre les traces kuwa de ses fondateurs. Kuwa kanisa ile inajaribu kufata manjia ya wale wakitunga. De la Pentecoste. Et ce messager. Na wale wajumbe. Suivant l'apôtre Paul. Watamfata mtume Paulo. Le premier messager. Ule mjumbe wa kwanza. Du premier âge de l'église. Wa kile kizazi cha kwanza cha kanisa. C'est tout simple. Ya teketeke kabisa. Et combien merveilleux. Na ya mastadia. Nous devons faire le tout possible. Tunapasha kufanya yote inawezekana. Chercher. Kutafuta. Ah, le prophète parle de chercher. Wakati nabii anasema njoo kutafuta. Comprenez qu'il y a un travail que vous devez faire. Eleweni ya kwamba kuko kazi ile mnapasha kufanya. Ce ne sont pas des choses qui vont tomber comme ça. Il y a un travail. Vous devez vous donner corps et âme pour ressembler à l'église primitive. Pour ressembler à l'église de la Pentecôte. Cette église qui a vécu dans l'âge messianique. L'âge qui a existé entre la fin. La fin des coutumes juives. Kizazi ile ilikuwa ko kumwisho ya ile bisela ba Yahudi. Le commencement du premier âge de l'église. Na kumwanzo ya ile kizazi ya kwanza ya kanisa. Il y a l'âge où la vie de Dieu est descendue sur la terre. Pale peo kizazi mule uzima ya Mungu ilichuka duniani. L'âge messianique. Kizazi ya kimasia. Où la vie de Dieu. Mule uzima ya Mungu. Est venu habiter dans un être humain. Ilikuwa kuishi ndani ya binadamu. Et vous remarquez que le saint prophète. Natambua kwamba nabii mtakatifu. Il ne fait pas un travail qui nous ramène au premier âge de l'église. Asifanye kazi ile inaturudisha kizazi ya kwanza ya kanisa. Mais il nous ramène à la Pentecôte. Walakini anaturudisha ku Pentecôte. C'est pourquoi William Branham dit. Kwa maana William Branham anasema. On parle de Malachikat. Pale wanasema kwa jina Malachi 4. C'est l'âge de l'éternité. Asema ile ni kizazi ya umilele. Où l'homme retrouve la vie de Dieu dans son âme. Mule mtu anapata uzima ya Mungu kwa nafsi yake. Une fois que vous recevez cette vie. Na wakati tunapokea ile uzima. Vous devenez éternel. Mara moja unakuwa wa milele. Quand vous allez quitter la terre. Kwani wakati utatoka duniani. Vous ne cesserez pas d'exister. Hautakosa kuendelea na kuishi. Vous continuerez à exister. Utaendelea tu na kuishi. C'est pourquoi nous devons chercher. Ni kwa maana tunapasha kutafuta. Ressembler à cette église primitive. Kufanane na ile kanisa ya kumwanzo. Nous devons être identiques à cette église. Tunapasha kufanana kabisa na ile kanisa. C'était l'église qui avait les deux droits inaliénables. Ni kanisa ilikuwa na haki mbili ya kweli. La pure parole. Neno ya safi. Et la puissance de Dieu dans l'église. Na uwezo ya Mungu mkanisa. Et une église qui n'a pas la puissance de Dieu. Kanisa ile inakosa uwezo ya Mungu. C'est une église morte. Ni kanisa ya kufwa. Amen. Amina. On peut avoir la parole, parole, parole. Unaweza kuwa na neno, neno, neno. Parole, parole sans la puissance. Neno, neno, neno bila uwezo. Elle est diabolique. Ile kanisa ni ya kishetani. Puissance, puissance, puissance. Nitaka kusema uwezo, puissance, uwezo, uwezo. Sans la parole. Uwezo bila neno. Elle est diabolique. Ile uwezo ni ya kishetani. Nous devons avoir les deux. Na tunapasha kuwa na ile mbili. La parole. Neno. Et la puissance. Na uwezo. Nous devons avoir les deux. Tunapasha kuwa na bile biwili. Qui est Dieu? Mungu. Et Dieu confirme. Anasema na Mungu anahakikisha. Kwani William Branham anasema. La parole. Neno. Et le conducteur de l'esprit. Joenye naongoza karo. La parole sort. Wakati neno natoka. Réellement la parole de Dieu. Kweli kweli kama ni neno ya Mungu. Puissance de Dieu. Ile uwezo ya Mungu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Suivra cette parole. Atafuata ile neno. Pour la confirmer. Kwa ajili ya kuhakikisha ile neno. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors
que vous devez savoir que vous devez être manifesté. Et la manifestation des enfants de Dieu ne vient pas par les Écritures ou par la révélation des mystères, mais c'est la vie quand on a le mystère qui sont révélés et l'élément surnaturel qui est attaché à cela. C'est ce qui met la manifestation. Amen. Amina. Parce que la parole que Dieu nous a envoyée dans cet âge, n'oubliez jamais, le prophète dit qu'il y a toujours un élément surnaturel qui est attaché à cela. Et c'est cet élément surnaturel que nous devons avoir. Et nous devons voir cela se manifester réellement au milieu de nous. Amen. Amina. Christ, le mystère de Dieu révélé. Christo, eko siri ya Mungu iliyofunuliwa. Paragraphe 312. Kifungu yake 312. Genèse 317. Le saint prophète dit ceci. Mtakatifu nabii anasema hivi. Paul, ce grand homme intellectuel, Paulo, huyu mtu mkubwa mwenye elimu, n'a jamais essayé d'utiliser ces grands termes de théologie. Hajawahi kutumia hii maneno kubwa ya kiteolojia. En s'adressant aux gens, kuelezea watu. Il a humblement accepté la parole du Seigneur. Alikubali na unyenyekevu yote neno la Bwana. Et il a vécu la parole si bien. Naliishi neno mzuri kabisa. Que celui-ci se exprimait au travers de lui. Mwile kipimo neno hii ilionekana ndani ya maisha yake. Il a vécu aliishi si pieusement. Na utawa yote. Qu'on a vu Jésus Christ. Bariona Yesu Kristo. En lui. Ndani yake. Au point qu'il cherchait à prendre son mouchoir. Mwile kipimo Bwana tafuta kuchukua leso yake. Pour appliquer sur le malade. Ya kuitia yule ya wagonjwa. Kwa maana mdi, voilà la vie de Christ. Kwa maana sema tazameni ile ndio maisha ya Kristo. Quand la vie de Christ était en Paul. Wakati maisha ya Kristo ilikuwa ndani ya Paulo. Les gens ont vu Jésus en Paul. Batu bali muona Yesu ndani ya Paulo. Pourquoi les gens pouvaient prendre le mouchoir? Watu wanaweza kuchukua leso. Qui ont touché le corps de Paul. Yenye ligusa mwili ya Paulo. Appliqué sur le malade. Baenda kuitia pa wagonjwa. Le malade était guéri. Na wale wagonjwa walikuwa napona. Kwa maana mdi, voilà la vie de Christ. Ile ndio maisha ya Kristo. Amen. Amina. Il dit maintenant. Anasema sasa. Vous entendez quelqu'un dire. Utasikia mtu anasema. Oh, eh bien, vous voyez. Eh, basi munaona. Eli a fait cela il y a longtemps. Eli alifanya kaile kulisha kawia. Il posa son bâton. Alitiaka gongo yake. Mais oh, c'était au temps d'Eli. Eh, ilikuwa ni wakati wa Elia. C'est ce que le monde a crié. Basi ni ile dunia iliamini. Les prêtres intellectuels, etc. Padri, bache, padri. Ainsi que les églises de ces temps-là croyaient cela. Il dit, mais quand à ces croyants, et ils connaissaient autre chose, ils avaient compris que la révélation de Christ qui était en Élie, cette même chose était en Paul, exprimant le même genre de vie, parce qu'il était un prophète. Voyez-vous. Il prédit des choses qui arrivèrent exactement comme prédit. Et il savait que c'était l'identification d'un prophète de Dieu. Et il sut qu'il était un prophète de Dieu. Vous ne pouviez pas du tout les ébranler là-dessus. Même lorsqu'ils virent Pierre prédire ces choses qui sont arrivées, ils dirent, puisse que son ombre passe sur moi. Amen. C'est cela l'église. Ce sont là ceux qui croient cela. Oui, monsieur, c'était révélé. Et bien, Paul a-t-il dit, c'est parce que j'ai eu un doctorat. Un doctorat en droit. Et ainsi de suite. Qu'il me croie. Non, il a dit, j'ai oublié toutes ces choses-là.
J'ai oublié toutes ces choses-là. La sagesse des hommes. Il a dit, je devais mourir. Et je reconnais dans la puissance de sa résurrection. C'est comme cela que je suis venu chez vous. Avec une démonstration de la puissance de Dieu. Surnaturel, nous lui posons des questions.
et il nous répond. Le surnaturel que vous attendez, ça ne vient pas pour vous détruire, mais cet surnaturel là, il vient pour demeurer avec toi. Il devient ton ami et vous pouvez converser avec lui. Amen. Amen. Il y a des fois des choses que vous n'expérimentez pas. Wakati kuko vitu vina mponje, parce que vous n'essayez pas. Wani amujaribu. Essaye de parler à Dieu. Jaribu kuzungumza na Mungu. Et si tu as l'esprit de Dieu, kama uko na ile roho ya Mungu, tu verras donc sa réaction. Utaona jibu yake. Amen. Amina. Moi, il y a des fois d'autres cas. Mie kuko mambo ingine. Un cas peut venir. Mambo fulani naweza kufika. Je reste calme. Mina bakia tu kimya. Je parle intérieurement. Est-ce ta volonté? Na Mungu, Mungu, ni mapenzi yako hii. Je prie pour ces cas. Niombei mambo. Si c'est ta volonté, fais-moi ainsi. Kama ni mapenzi yako, nionyeshe alama. Il fait. Ananipatia alama. Amen. Amina. Et chaque véritable chrétien, na Mukristo wowote wa kweli, pour avoir ainsi, anapasha kwa kila mara na alama, qui confirme que Dieu a exaucé sa prière. Ile iko na hakikisha kusema Mungu anajibu maombi yake. Dieu doit traiter avec vous. Mungu anapasha kutumika na wewe. Et vous devez savoir quand il vient. Unapasha kujua wakati ile anakuja. Est-ce que vous savez, il y a une chose. Unajua kuwa kitu moja. Peut-être là tu pries. Unaweza kuwa kupale unaona una présence. Unasikia uwepo wa mtu. Je ne suis pas sûr que c'est toi. Si tu es, sina nakisha kama ni wewe. C'est toi, quitte là où tu es. Kama ni wewe toka pale wiko. Va de l'autre côté. Wende ngambo ya huku. Vous sentez comment ça se déplace. Unasikia vile ile uwepo natoka huku inaenda huku. Expérimentez cela. Onja ile. Dieu est votre père. Mungu ni baba yako. Comme tu converses avec tes enfants. Paka vile unasumbulia na watoto yako. C'est la même manière que tu dois converser avec Dieu. Paka vile unapasha kuzungumza na Mungu. Tu dois l'expérimenter. Unapasha kumuonja. Amen. Amina. Regardez Josué. Angalia ni Joshua. Il se retrouve devant les murs. Anajikutanisha mbele ile ukuta ya Yeriko. Il regarde dans l'air. Anatazama juu. La colonne de feu n'est plus. Nguzo ya moto haina tena. Comment qu'est-ce que je vais faire ici? Hey, pai mambo tafanya je. Mais quand il se posait les questions. Wakati akwa diswa. Il voit un homme. Anaona mtu mwana tokelea pale. Pourquoi? Dieu a nini? La colonne de feu. Ile nguzo ya moto. Devrait quitter de l'état de l'esprit. Il passe à kutoka mkipande ya kiroho. Pour prendre la chair humaine. Dieu a kuchukua mwili ya mtu. Et laissez-moi vous dire une chose. Na ushatia nikueleze kitu moja. Vous voyez l'ange du Seigneur. Unaona ule malaika wa Bwana. La colonne de feu. Nguzo ya moto. Prendre la forme humaine. Anachukua sura ya mtu. L'impossible te devient possible. Ya nguvu kinakuya teke teke. Il allège toujours la tâche. Ya yaleke shaka mambo. Il dit, es-tu de notre ou bien? Uko wangambo etu ao. Je suis le capitaine de la mienne. Mienjo le capitaine wa majesi ya wa milele. Et tu mérites l'adoration. Eh, unastahili kuabudiwa. Regarde Abraham. Atazameni kwa Ibrahimu. Il a pris la chair humaine. Alichukuaka mwili ya mutu. Il était un homme. Alikuaka mutu kule. Et vous savez ce qui a fait la puissance de William Branham? Na munajua kile kilifanyaka uwezo wa William Branham? Parce que cet ange là. Ni kwani ule malaika ule avait pris la forme humaine. Alichukuaka sura ya mutu. Et le prophète dit. Na nabii anasema. Il a pris la forme humaine. Alichukuaka umbo ya mutu. Pour vous. Ni kwa ajili yenu. C'est le temps de se réveiller. Na njoo wakati ya kulamuka. De réclamer vos privilèges. Na kulomba mafadhili yenu. Car l'heure est venue. Kwani saa inaelekea. Pour vous d'être guéri. Kwa ajili yenu. Pour vous d'être béni. Kwa ajili yenu tumubarikiwe. La solution. Suluhisho. Dieu l'amène lui-même. Mungu anaileta yeye mwenyewe. Dieu sait très bien. Mungu anajua ya kwamba. Et pour qu'il y ait la réconciliation. Juku kwe mapatano. Entre lui et l'homme. Kati yake yeye na mutu. Dieu devrait devenir un homme. Mungu anapashwa kuya mtu. Et c'est au travers d'un homme. Na ni kupitia mtu. Que Dieu s'est réconcilié avec son peuple. Patanisha na taifa yake. Et quand vous le voyez prendre. Na wakati munamwona anachukua ile umbo. Amen. Amina. Ça amène toujours la différence. Ile inaletaka kila mara chanisho. Le ministère de William Branham. Kwa maana katika huduma ya William Branham. Ilikuwa yenye pachana. De Oral Roberts. Na ile ya Oral Roberts. Iachana na Billy Graham. De Tony Osborne. Iachana na Tony Osborne. Quand ils ont compris les jeux. Wakati balielewa ile mambo. Ils sont venus chercher l'onction. Balienda kutafuta upako. Et Frère Branham les a imposé le main. Alibatilia mikono. Et là où ils sont partis. Na pale barie
ils ont remporté la victoire. Bali pata ushindi. Parce que William Branham, William Branham un secret. Alikuwa kana siri. Amen. Amina. Il parlait. Alikuwa anazungumza hivi. Vous verrez. Na mtaona. Son fils Joseph. Bwana wake. Billy anasema. Il dit ces jours-là. Asema ile siku. Quand j'ai vu cet ange. Wakati nilimuona ule malaika. Je pensais que je trouverais quelque chose avec des ailes. Niliwazia kwamba nitaona kitu mwana mabawa. Ma grande surprise. Lakini mkushangaa kwangu. Quand papa me dit regarde vers le lavabo. Angalia ngambo ya lavabo. J'ai vu un homme. Niliona mtu. Qui avait le bras croisé. Alikuwa na mikono ya kukunja kama hivi. Et quand Billy. Na wakati Billy. Il était pas stupéfait. Alistuka. La colonne de feu s'est fondue à lumière. Kuzia moto ikadiyeyusha munuru. Ule mtu ule. S'est fondue à lumière. Akadiyeyusha munuru. Il est parti. Na kaenda. Et Billy dit. Na Billy anasema. Depuis ces jours-là. Tangia ile siku ile. Quand il descend dans une réunion. Wakati anachuka mumukutano. J'ai toujours senti sa présence. Nilikuwa nasikia kila mara uwepo wake. Ça lui avait apporté quelque chose. Ilimleteaka kitu moja. Un grand changement. Mabadiliko kubwa. Fellowship. Vous devez avoir ces contacts avec le Seigneur. Recevoir cette onction. Devenir des messies sur la terre. Duniani. Vous devez marcher. Et le monde ici doit savoir na watu wa dunia wanapasha que kujua. Vous êtes des enfants ya de kwamba Dieu. Mwe muko watoto wa Mungu. Amen. Amina. Vous marchez pour dominer. Mungu natembea kwa ajili ya kutawala. Pour gouverner. Kwa ajili ya kuongoza. Pour régner. Kwa ajili ya kutawala. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. La manifestation des enfants de Dieu. Maonekanisho ya watoto wa Mungu. Savez fois bana pose la question. Unajua ndugu bana nauliza. Pourquoi Jésus était-il manifesté? Kwa nini Yesu basi alionekanaka wazi? Pourquoi? Kwa nini? Il est pour montrer Dieu. Asema ni kwa ajili ya kumuonekanisha Mungu. Et quand on parle de la manifestation des enfants. Na wakati wanasemea kwa ajili ya maonekanisho ya watoto wa Mungu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu. Maana yake batoto ya Mungu. Doivent montrer Dieu. Anapasha kumuonekanisha Mungu. Parce que la nature. Kwani asili. Était déjà habitué à voir Dieu. Ilikwesha kuzobeleaka kumuona Mungu. Et Dieu qui était sur la terre c'était Adam. Na Mungu yakuwa hapa duniani kwani Adam. Il parlait à la nature. Alikuwa anasema kwa mazingira. Et vous verrez que quand même Jésus. Na mtaona kwamba hata Yesu. Quand il donne la grande commission. Wakati analeta ile kazi kubwa. Il ne dit pas seulement que vous allez le manifester. Aux êtres humains. Non. À toute la nature. Mazingira zote. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous pouvez parler. Unaweza kusema. À l'animal comme Branham l'a fait. Kwa nyama. Paka vile Branham alifanyaka. Vous pouvez regarder. Unaweza kutazama. Peut-être même votre poule qui est malade. Sa ingine nkuku wako eko mgonjwa. Et lui dit je te donne la guérison. Na unaelezea ule nkuku, nkuku wangu, mimi nakupatia uponaji. La nature attend voir ça. Mazingira iko naongojea yone le mambo yote ile. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous devez montrer Dieu à la nature. Kumuonekanisha Mungu kumazingira. Montrer que vous êtes des fils kuonekanisha kwamba et des filles de Dieu. Wana na wabinti wa Mungu. Et quand on parle de fils na wakati wanasema juu ya wana fille, na wabinti. C'est-à-dire on parle de Dieu. Maana yake wanasema kwa ajili ya wa Mungu. Et dès que l'homme atteint la stature du wakati fils. Wakati mtu anafikia mwile kipimo ile. Il est Dieu. Anakuwa Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. Parce que là, tu es déjà adopté dans le royaume. Kubaliwa kama mwana katika ufalme. Ta signature est valable. Saini yako banaikubali. Et tu ne peux pas atteindre cela si tu n'as pas un bon comportement. Na hawezi kufika mwile kipimo kama una na tabia mzuri. Et vous savez comment l'adoption se fait aujourd'hui. Na mnajua leo namna gani wanakubali wana. Bwana mdi que Dieu vous appelle. Baba sema kwanja Mungu anakuita. Il vous présente. Anakujulisha. Aux anges. Mbele wa ba malaika. Il vous donne les dons. Anakupatia kipaji. Il vous remplit. Anakujaza. Il vous envoie. Kisha anakutuma. C'est pourquoi le prophète dit. Ni kwa maana nabii anasema.
Quand je vois quelque part, wakati naenda fasi fulani, que les démons viennent, na mapepo inakuya, je leur dis, na elezaka mapepo ici, mie niko hapa, envoyé par Dieu, mwenye kutumwa na Mungu, rentrez tous en enfer, mwe bote mururie mugeena, il m'obéit, asema ile mapepo inakalaka kuna niti, est-ce qu'ils obéissent Abraham, eti kuna mti Branham, ils obéissent au don là. Iko na tiku ile kipaji ile. Ils obéissent à l'onction. Iko na tiku ile upako. Quand ils regardent, wale mapepo ikitazama, ils voient Dieu. Inamuona Mungu. Amen. Amina. Et le troisième poule que vous attendez, na ile mvuto ya tatu muna ngoja ile. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui va venir seulement soudainement. Mushasi metani kituma kitakoma mishutusha hivi tu. Non non, vous devez avancer vers le troisième poule. Munapasha kwenda muna karibia mvuto ya tatu. Et vous devez commencer à essayer. Na munapasha kwenda muna na kupima. Munapima. Munapima shiku moya. Ça va marcher. Utaone inaendeka. Amen. Amina. Amen. Amina. Commencez à prononcer la parole. Anza kutangaza neno. Je ne sais pas si ça entre très bien. Si ayua kama na nyelewa. Vous pouvez parler.
qui observe. Vous savez, la soeur me disait, sa fille est venue. Ah, maman, tu as parlé, mais regardez ce que ton Dieu a fait. Ce n'est pas que la fille avait des relations avec cette maman-là. Non! Position, il est facile sa place dans l'église. Facile yake mkanisa.
Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Même plus que celle-ci. Car je m'en vais au Père. Voyez, c'était son dessein. C'était là la manifestation. Dieu maintenant, aujourd'hui, il veut avoir quelqu'un qui puisse avoir la même vision. Qui peut laisser la parole point. Voyez, c'est dans cet angle que Jésus a vu la chose. Sa naissance était si conforme à ces jours pour que Dieu à ces jours que Dieu a exprimé chaque action qu'il a faite. Il était la révélation de Dieu. Dieu est révélé. Maintenant, il a sanctifié par son esprit et son sang une église afin qu'il puisse révéler chaque promesse dans ces derniers jours. Maintenant, voyez, il pouvait revenir dans les derniers jours et prendre ce que ces autres hommes ont laissé de côté ici et par son Saint-Esprit révéler le mystère entier de ces sept sceaux. Voyez, il s'exprime. C'est cela son dessein. C'est pour cela qu'il est mort. C'est cela le deuxième volet de sa triple manifestation. Premièrement, s'exprimer en Christ. Ensuite, s'exprimer à l'église. Et la même chose, Christ était la parole et l'église devient la parole lorsqu'elle laisse la parole la pénétrer. Amen. Amina. Combien sont pénétrés par la parole ici? Si la parole t'a pénétré, sachez que tu es la parole. Amen. Amina. Il dit, mais lorsqu'il accepte une dénomination hybride, comment la parole peut-elle pénétrer? Et le misanteur, alors cela provoque un court-circuit et fait sauter un physique. Voyez-vous, mais lorsque les courants passent librement, la parole de Dieu, elle s'exprime. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et dans les derniers jours, cela s'accomplira. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Et il ramènera le cœur des enfants à la foi de Père. La parole vous pénétrer. Quand tu trouves que tu as encore des combats avec la parole, naneno, comprends que la parole ne pénètre pas. Parce que chaque parole doit être ponctuée d'un amen. Kila neno, banapasha kuichikia na amina. Pas discuter avec. Pas la rejeter. Que tu deviennes la parole quand la parole te pénètre. Et quand la parole ne trouve pas un credo, il n'y aura pas de circuit. Le visible ne va pas sauter. Mais quand la parole trouve cette résistance, visible sautera. Et si le visible saute, on n'aura pas l'éclairage dans cette salle. Le courant va se couper quelque part. Il part. Faut aller remettre le visible. Et ce soir, mon frère, ma soeur, si tu as un visible qui est sauté dans ta vie, remets cela à sa place.
pour que les courants passent librement. Parce que vous devez savoir que la parole qui sort, elle a toujours été suivie par la puissance. La puissance qui la confirme. Mais quand la parole vient, elle veut pénétrer. Elle trouve cette résistance. Il n'y a pas de communication. Le visible saute. Il y a un circuit. Peut-être il y a coupure de fil. Et tu peux rester dans l'église. Tu écoutes la parole. Tu pries. Rien n'arrive. Parce que le fil ne sont pas bien connectés. Et le visible a sauté. Mais la personne que la parole pénètre si facile. Une fois que vous recevez cette parole, Frère Branham dit, la parole là, elle est l'onction. Amen. Et vous remarquerez qu'une fois que tu peux porter cette parole sur tes lèvres, l'onction là amènera la parole à l'accomplissement. Parce que quand tu la prononces, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est pourquoi vous remarquerez que Dieu, quand il a créé, il n'est jamais revenu sur une chose deux fois. Amen. Amina. Qu'il y ait la lumière. Nuru iwe. Il revient. Alléluia. Qu'il y ait la lumière. Si nuru iwe. J'ai dit qu'il y ait la lumière. Nuru iwe. C'est comme ça qu'il a fait. Je vais le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le faire. Que la lumière soit. Nuru iwe. Il reste assis. Et la lumière fut. Pourquoi? Il savait que l'onction était avec lui. Et la parole qui est sortie ne reviendra pas à lui sans effet. Et tel que vous êtes là, si la parole vous pénètre facilement, vous êtes la divinité. Vous êtes la parole. Et ce que vous dites, ça doit arriver. Amen. Amina. Quand Frère Branham a laissé la parole pénétrer, il n'a pas dit, mais opossum, reçois la guérison. Mère opossum, mama panyan, je dis sois guéri. Shimina sema pona. Mère opossum, mama panyan, reçois la guérison. Pokea uponaji. L'animal s'est levé. Nyama ula kasi mama. Frère Branham dit l'animal a commencé à sortir. Arrivé au niveau de la barrière, l'animal le regarde. Et pour dire merci, monsieur, l'animal est parti. Pourquoi? C'était le don de Dieu. L'onction était avec lui. Amen. Amina. C'est pourquoi vous remarquerez que ces jours-là, il regarde le petit poisson. Le petit poisson, j'ai des dons. La vie. Le poisson est revenu à la vie. Et l'âge où nous vivons, c'est l'âge de Jésus. Des dons. Pas Dieu envoie, mais moi, je te donne. Pourquoi? Parce que vous avez accepté ce que Adam et Ève avaient rejeté. L'onction du Saint-Esprit est avec vous. Et vous devez parler. Amen. Amina. Tu ne peux pas dire je suis ouais. Ah ouais, tu ne parles pas. Mupakaliwa ula semaki. Mais qui ne fait que pleurer. Voilà qui nous a riri à tout. Comment? Abaria. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. Tu vois beaucoup souffert. Utate swasana. Il est le souverain sacrificateur. Et comme Kohani Muku. Et notre confession. Wamaneno ile chetu nakiri. Apprenez à dire non à certaines choses. Kubintu bingine jua kusema apana. Ça non. Iki mina kikatala. L'onction que je reçois ne peut pas produire ceci. Haiwezi kuzala ibitendo ibi.
sais pas si vous comprenez cela. Si Dieu est comme on a nielewa. Amen. Amina. Et mettons ces choses en pratique. Na tuishi ibibi tuibi. Amen. Amina. Et alors il viendra un temps. Sasa kutafika wakati où il pourrait s'exprimer dans la plénitude de sa divinité au moyen de son église avant la prééminence dans cette église. Il dit oh là là quoi l'homme ouin maintenant le peuple ouin on a là pour ramener l'épouse ouinte et l'époux ouinte. Il dit pourquoi parce qu'en acceptant ce que Ève et ce que Adam ont rejeté en revenant avec l'onction de la parole parce qu'il a dit ma parole est esprit, voyez, ouin de la parole ce que Ève avait rejeté il le retient et nous l'acceptons. Amen. Amina. Et là, l'onction là, na ile upako que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin Adam na Eva Dieu l'a ramené aujourd'hui. Et quand vous recevez cette onction, upako, vous devez la mettre en pratique. Vous devez parler. Et vous savez, l'homme na peut regarder un verre d'eau kilauri ya maji et briser cela. Na kuvunja ile kilauri. Amen. Amina. Mais si vous pouvez briser un verre d'eau, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vitu kubwa. Écoutez ce que les prophètes disent alors que je termine. Nasima, le Messie 39-40 et maintenant na sasa, si vous pouvez briser un verre d'eau ile kilauri ya parce mai, que vous avez de la télépathie, kwani uko na ile télépathie, une conception mentale ile kutunga kwa et une certaine puissance na uwezo fulani que vous pouvez manifester ile unaweza kuonekanisha en tant qu'être humain. Weza vile binadamu. Vous comprenez déjà qu'en tant qu'être humain kwamba, vile tu, vous pouvez manifester une puissance. Frère Banam dit tu peux regarder un verre d'eau et briser cela na ukivunja comme ce monsieur là donc Frère Banam avait vu à la télévision était assez en retrait. Il était comprimé regardant un verre d'eau et cela s'est éclaté. Et Frère Banam dit en tant qu'un être humain vous avez la puissance. Amen. Amina. Et Frère Banam dit la puissance d'une force mentale qui est invisible et inconnue seulement dans ce cycle. Il dit si vous pouvez casser un verre d'eau, pourtant ce genre d'esprit, un homme perverti, un esprit réprouvé, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu, que ferez-vous si vous laissiez les dieux qui vous a formé entrer en vous, prendre le contrôle de vous? Il nous dit amen. Vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Il dit oui monsieur, chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira. Il dit très bien, le don de Dieu c'est sa parole. Dieu a promis, il a fait un don, il a envoyé un don. Prenez le don ainsi que sa parole, voilà votre conducteur avec un don de Dieu. Si Dieu vous donne le don du Saint-Esprit, vous croyez cela, et bien la parole de Dieu est un conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, vous pouvez le faire. Vous comprenez que la parole, c'est le fil conducteur. Maintenant, quand la parole trouve une résistance, la puissance qui suit la parole ne fera rien. C'est pourquoi vous devez croire la parole dans son entièreté.
la parole. Neno. La parole sort. Neno na topa. Et le Saint-Esprit qui suit la parole. Fuata, neno. Il dit où que la parole est prêchée. Fasi, yoyote, ele, neno, vous voyez, votre pasteur la prêche. Mchungaji wako anahubiri neno. La chose suivante, kitu kile kinafuata, vous savez, unajua, ni wuhu. Le Saint-Esprit passe dans le bâtiment. Anapita majengo. Voyez, munaona? C'est vrai. Yakweli. Il est le conducteur de la parole. Waneno. La parole est le conducteur de l'esprit. Neno ni mongozi wa roho. Car là où la parole est prêchée, neno l'esprit la suit. Roho inafuata neno. Où qu'elle aille, neno eh bien, l'esprit suit la parole. Roho inafuataka neno. Yo, j'aime cela. J'aime un enseignement saint de la Bible. Minapendaka mafundisho ya Biblia. Et le Saint-Esprit de la parole revient confirmer l'enseignement de la Bible. Anaruhia kuhakikisha mafundisho ya Biblia. Si le Saint-Esprit ne confirme pas cela, kama Roho Mtakatifu asahakikishe hile, alors vous avez inversé vos fils. Bale manake unapinduza mashinga yako. Électrique. Ya moto. Vous avez une masse quelque part. Manake kuna masse fasi. Oui monsieur. Ndio jamani. Si vous avez raccordé cette parole, kama uliunganisha mzuri ile neno, à la dynamo, ku moto ya umeme. Cette grande chose qui produit la plénitude du courant, il va simplement enflammer ses petits fils électriques pour vous. C'est vrai. Et cela accomplira des choses pour vous. Et frère Banam dit, là où Dieu est, il y a toujours les signes du Dieu vivant. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous sommes les sujets de son royaume. Vous connaissez qu'est-ce que le royaume? Frère Banam dit le royaume de Dieu. C'est cette parole ni neno transformée en puissance. Yenye inabadilika inakuwa uwezo. C'est ça le royaume. Jo ufalme ile. Alors tel que vous êtes. Sasa mpaka vile mko pale. Si la parole kama neno vous pénètre na kuingia mzuri facilement. Kwepesi. Sachez très bien que vous pouvez tout faire. Unaweza kufanya byote. Amener toutes les promesses de Dieu. Unaweza kupeleka malako zote za Mungu. Zitimizike. Amen. Amina. C'est pourquoi si vous êtes en train d'écouter la parole, kama unashikia neno, dit, ah, ça moi je ne crois pas. Vous êtes en train yake, de faire le travail d'un isolateur. Nafanya kazi ya kufungia moto shipide. Et le courant ne va pas passer. Tu veux voir la gloire du Seigneur? Laissez la parole. Acha neno vous pénètre. Vous savez pourquoi Adam avait perdu la puissance? Munajua kwa nini Adam alipotezaka uwezo? C'est quand ils ont douté de la parole. Ni wakati ile barishaki ya neno. C'était juste un petit iota. Ilikuwa tu kipande ya neno. Et cette dimension a quitté. Na ile ki mais aujourd'hui, c'est là où vous serez donné. C'est pourquoi vous avez bien être humain. Parlez aux animaux. Les animaux l'obéissent. Parlez à la nature. La nature écoutait. Pourquoi? La même onction. C'est livre de propriété incontestable. A été retourné. Et quand l'homme reçoit cela, ce qu'il déclare, Dieu ponctuellement amen. Parce que Dieu, Mungu, il a fait avec nous l'alliance. Ce n'est pas qu'il doit parler à votre place. Non. Ce n'est pas que lui va prendre sa puissance. Mungu l'utiliser à ta place. Non. Tout ce que je suis, kiote kile mie Mungu niko. Yako. Tu toi pars. Sasa wewe sema tu. Et moi je ferai quoi? Na mie nitafanya nini? J'agirai. Tatenda tatimiza. Et vous remarquerez que les enfants de Dieu qui voient les témoignages. Batoto ya Mungu bebe unaona maushuda. Ça vient après avoir parlé. Ile ushude na kuyaka kisha yeye kusema. Est-ce que ça entre bien? Unanielewa mzuri? Tu parles d'abord. Unaanzia hapo kwanza kusema. Et Dieu agit après. Na kumwisho Mungu anatenda. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Si tu kama unaelewa mzuri. Amen. Amina. La sœur qui a été guérie du cœur. Dada ule alipona kwa magonjwa ya moyo. Elle me disait quand le
le cœur de quelqu'un d'autre. Il faut que cette personne accepte de mourir à ma place. Mais il y a quelqu'un qui est déjà mort pour moi. C'est le Seigneur Jésus. C'était la fin de la maladie. Et quand vous parlez, le Seigneur agira. Et réunissez le courage de parler. Parce que vous-même, vous êtes la parole. Et quand la parole est parée et prononcée, l'onction suit la parole. Et la parole sera matérialisée. Vous devez parler. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Ne regardez pas au voisin. Parle. Et la chose arrivera. Même si les gens écoutent, ce n'est pas ton problème. Mais toi parle. Amen. 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 Dans de plus grands témoignages, il y a d'abord la parole qui est prononcée d'abord. Et Dieu agit. Et quand vous parlez avec la foi, la chose accomplira. Amen. Amen. Et expérimentez. Même dans des arrêts de transport. Tu peux parler, Seigneur. Envoie des transports pour moi. Tu peux rester là. Croyez que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki.